Le montage et le démontage de roulements de roues de première génération nécessitent une presse ou un extracteur avec adaptateur. Nettoyer la fusée et contrôler toute trace d'usure ou d'endommagement. Nettoyer la fusée de direction et la surface en contact avec le roulement sur le moyeu pour en retirer la rouille et la saleté. Appliquer une couche de spray ou de pâte anti-corrosion sur l'intérieur de la fusée de direction et sur la surface en contact avec le roulement sur le moyeu. Insérer le roulement en position droite dans le silent block avec un outil adapté. De la pression ne doit être appliquée que sur le cercle externe du roulement. Dans le cas contraire, le roulement sera gravement endommagé. Installer le nouvel anneau de retenue fourni dans la boîte Moog. À l'aide d'un outil adapté, réinstaller le moyeu, puis le joint homocinétique. Installez les écrous de rechange fournis dans la boîte Moog. Serrez-les avec une clé dynamométrique, conformément aux recommandations du constructeur du véhicule. Make sure you come back to Garage Gurus CSI to see how we explain more warranty claims. We are Garage Gurus. Join our community. Follow us on social media. Thanks for watching this video. The video description contains all the relevant links. Don't hesitate to like, subscribe, and be notified when we post new content. Also, check out our Garage Gurus online course catalog.